Un bellin à mélo guitariste et man qui venait sortir son second disque, un reportage de Jean Pierre Belmont. C'est que il est amoureux de la colonne d'Aloubé, il faut, hein. Mais bon, on ne peut pas cantar la mazorca sotto les pintes de notre vie, hein. Et toutes les canzons qui viennent de nous, il faut vous dire que, attention, hein, ça en est. La langue, c'est une entité vivante, suffisamment forte, l'énergie est là, je veux dire, le provençal, c'est. Pour moi, il ne mourra jamais. Des gens comme moi, il y en a plein qui ont la langue en eux et il suffit d'un rien pour qu'elle s'éveille. Et c'est des gens comme toi, enfin, tous ces gens qui parlent le provençal, qui peuvent, tu vois, réveiller la langue en fait. Elle est juste endormie, la langue, elle n'est pas morte. Moi non plus, je chante dans des langues qui ne sont pas officielles, le wallon par exemple, ou bien des langues imaginées, des langues imaginaires, mais qui disent parfois plus que les langues qui sont courantes. Les langues courantes sont parfois usées, tandis que les langues du terroir, le provençal, le wallon, c'est des langues offensives, parce qu'elles transportent tout un passé. On a déjà traduit quelques-unes de mes chansons dans diverses langues, l'anglais, le flamand, l'italien, en provençal, c'est magnifique aussi. Est-ce la peinture ancienne d'une anglaise? Les cheveux.